Yo tout le monde, c'est Akogun et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Minecraft World saison 2. Alors si, je suis toujours vivant, le Covid-19 n'a pas eu raison de moi. Juste arrêter un peu les vidéos, en fait j'ai fait une petite pause, problème personnel on va dire. On va dire que j'étais malade. Non, en fait j'ai surtout oublié de faire des épisodes parce que je suis littéralement stupide. Bon, aujourd'hui on va commencer assez fort parce que là, les crabes là c'est une invasion, genre... Pour autant, la dernière fois, il y en avait très peu, mais là, c'est une putain d'invasion. Donc aujourd'hui, j'ai déjà prévu quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va, comment dire, explorer le monde. Non, parce que là, alors, c'est bien beau de s'installer sur une petite plage, mais franchement... Ah tiens, par contre, j'ai oublié de dégager ça. En fait, j'ai dégagé tout, sauf ça, mais j'ai oublié. Non, parce que la dernière fois, il y avait un énorme pilier de cobblestone, c'était pas joli à voir. Bon, et du coup, en fait, c'est bien beau de s'installer sur une plage dans une maison déjà construite. Mais moi, je veux, comment dire, un truc plutôt à l'air, en fait. C'est-à-dire que là, je sens en fait qu'il n'y a pas assez de place, et surtout, je me sens vraiment enfermé. Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié de reprendre mes rupies ingots. Du coup, aujourd'hui, le but va être assez simple, ça va être de nous trouver un nouvel emplacement pour construire une nouvelle base. Et pour ça, j'ai déjà une petite idée, alors il faut juste voilà, de la ficelle. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, si on met une laine et quelques ficelles, on a, voilà, des herbaloons. Ces herbaloons vont être extrêmement importants dans l'exploration. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va tout simplement pouvoir construire un vaisseau volant. Alors, niveau construction, j'ai soit pensé à une montgolfière assez classique, soit à... par exemple, je sais pas moi, une maison volante, pourquoi pas faire une maison volante et déplaçable. Mais au final, j'ai une meilleure idée, c'est-à-dire que la maison, on va la faire à un endroit sympathique, et en fait, le vaisseau volant, j'ai pensé à construire en fait un chat. Un chat avec des ailes. Franchement, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je pense qu'on va tout de suite commencer à essayer de construire ce chat volant pour explorer les environs. Bon alors, du coup, au niveau de la construction, on va commencer... comment est-ce que je pourrais faire ça? Parce que j'ai pas d'idée de plan, en fait. Bon, on va commencer par faire une toute petite plateforme, je pense que c'est un bon début. Ensuite, il faudrait construire la tête. Je sais pas ce que ça peut donner, là, par contre. Bon, qui ne tente rien n'a rien, on va dire, parce que là, je sens que c'est terrible. Oh, c'est génial, il commence déjà à faire nuit. Je pense que j'ai trouvé un petit design. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, je le fais en bois parce que j'ai que ça en fait. Parce que je suis pauvre. À terme, on le fera avec des matériaux un peu plus jolis. Bon, juste dormir parce que là, c'est infâme. Ça y est, je crois que j'ai une idée. Alors, je sais pas ce que ça va rendre. Alors, on va prendre la petite hache, on va faire les yeux. Les yeux, bon, on va faire un truc assez simple, on va mettre de la laine et je crois que j'ai des petits boutons. Oui, j'ai des petits boutons, hop, des boutons juste là et là. Et en fait, j'avais pensé à faire un truc, en fait, c'est-à-dire que on va lui faire des oreilles à ce chat. Sauf qu'en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un chat... non, c'est pas joli. Donc pourquoi pas faire un chat mi-ange, mi-démon? Genre là, les petites cornes de... Oh, ça fait peur. Ouais, donc là, les petites cornes de démon et les ailes d'ange. Bon, je suis assez mitigé là. C'est-à-dire que les ailes sont un peu petites. Et du coup, après, pourquoi pas faire une sorte de cockpit, je sais pas. Pourquoi pas le refermer avec des dalles et mettre une petite échelle là? Ok, les échelles pardon, sont placées, il n'y a plus qu'à mettre les deux dalles. Et ça devrait être bon. Alors c'est moche, je vais peut-être lui faire une bouche à mon chat. Bon, évitez de juger parce que franchement, c'est pas facile à faire. Alors attention la petite bouche. Là, non, raté. Ok, c'est bon, alors ça donne quoi? Ça, bah, ça va, c'est honnête. Sauf que évidemment, ce n'est absolument pas fini parce que... Pour finaliser ce petit chat et pour qu'il vole, il nous faut un volant, un gouvernail. Gouvernail que je ne sais pas faire. Attendez, je vais regarder sur internet 3 secondes. Ok, c'est bon. Alors, c'est quoi ça? Comment est-ce que ça marche? Ah, ok, bon, c'est pas compliqué. Il nous faut. Bon, c'est pas dur en fait. Je crois bien que ça se fait, voilà, comme ceci. Alors on va juste voir si ça fonctionne ou bah oui ça a l'air de bien fonctionner.
Ok, bon, on va procéder à un petit test. Ok, c'est bon, il n'y a rien qui nous relie au sol. Alors, on va... oula, on va Assemble Chip, Moon Chip. Est-ce que ça marche? Oh, on démarre, ça marche. Alors, ça marche pas trop. On a perdu, en gros, tout notre vaisseau. Bon, moi, je vais devoir réparer tout ça. En fait, c'était pas relié. Ok, c'est bon, j'ai fini de tout casser. Maintenant, il va juste falloir en gros qu'on assemble le vaisseau et ça. Bon, pour ça, j'ai une petite idée. On va mettre juste des, voilà, des escaliers là. Ok, par contre, il fait nuit. Je vais juste aller dormir 3 secondes. Ok, attention, roulement de tambour. Est-ce que ça fonctionne? Assemble ship, moon ship. Oh, ça marche. Ça marche, regardez, on avance, on tourne, on peut tout faire, on vole. Alors par contre, il y a un petit problème. En fait, on peut pas monter, j'arrive pas à monter, j'ai pas assez, je pense que j'ai pas assez de ballons. En fait, et surtout, je ne peux pas aller très vite là, c'est un peu lent. Attendez, non, j'ai pas fait ça. Non, non, s'il vous plaît, j'ai pas fait un... J'ai fait un bateau. Mais regardez, je suis 10 fois plus rapide sur l'eau. Mais non, mais c'est pas possible d'être aussi bête que moi. Attends, il faut que je regarde. Hop. Alors, est-ce que vraiment on... Ouais, on est vraiment un bateau. Et pourquoi est-ce qu'il y a de l'herbe? Bon, c'est pas grave. Si vous voulez mon avis, en fait, ça manque de air balloon. Le problème, c'est que j'ai plus de ficelle et du coup, je ne peux pas en faire. Bon, c'est pas grave, hein. C'est un échec, mais à la fois, c'est quand même bien, tu vois. Bon, par contre, il faut juste que je prenne un peu le coup de... Non, rentre pas. C'est bon, c'est bon. Je gère pas trop, mais un peu quand même. On va essayer d'amarrer juste devant là. C'est bon, on y est. Donc hop, j'appuie sur égal et c'est bon. Normalement. Ok, il est bien notre vaisseau. Oh, par contre, j'avais pas vu la tête du chat. Oh, ça fait vraiment. C'est pas un chat, c'est un démon. Non, je veux pas voir ça. Bon, on va faire un truc, c'est que vu que là, bon, franchement, c'est un échec. On va quand même aller visiter le monde. Sauf que au mieux d'aller le visiter avec un chat artificiel, on va le visiter pardon, avec un vrai chat. Qui n'est autre que Raven. En plus, maintenant qu'on a un super arc, on ne craint vraiment plus rien, donc je pense que ça va bien se passer. Bon là, je vais essayer de monter la montagne. Est-ce que je peux poser des blocs sur Raven? Oh ouais, ça c'est bien. Je suis en train de faire un truc dénué de sang. Genre vraiment, c'est stupide de faire ça. Mais c'est très drôle, je pose des blocs en dessous de Raven. Oh, ok, c'est bon, on est arrivé en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, il y a un paquet de moutons, ça c'est bien pour la nourriture. Veuillez mourir, s'il vous plaît. Merci. Ah, en fait, j'ai visé un serviteur de Raven. Bon, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'avec mon arc, vu qu'il a flame, et bah ça cuit la nourriture instantanément. Ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dans ces terres inconnues? Alors, il y a une forêt, mais c'est pas ouf du tout en fait. Ah, alors regardez, par contre, on a trouvé une autre maison comme la nôtre. La nôtre, je vous rappelle, elle est juste là-bas. Et ben là, il y en a une autre. Je pense que, en fait, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'il n'y a rien là. Bon, je vais vous le dire, j'aimerais trouver en fait un biome neige. Parce que, à ma connaissance, il y a des monstres spéciaux dans les biomes neige. Mais bon, là, je ne vois vraiment pas grand-chose du tout. Alors, par contre, on est dans un biome, mais dévasté. Genre, c'est vraiment un enfer ici. La vache. Mais par contre, c'est tout plat. Ouais, mais non, non, en fait, c'est pas joli du tout. À la limite, il y a des cyclopes. Là, il y en a un. Bah, il y en avait un deuxième. Bah, ah, il est là. Bon, on va pas se les faire à l'arc, on va se les faire à l'épée. Vous êtes prêts? C'est parti. Combat épique. Ça fait du bruit, mais combat épique. Prends ça, prends ça, prends ça. Je te tourne autour, je te tourne autour. Toujours paix épique. Et hop là, t'es mort. Ah là là, mais qui peut me stopper? Bah quasiment tout le monde en fait. Bah, pourquoi je suis coincé là? Ok, c'est bon. Alors par contre, juste pourquoi est-ce qu'il y a une maison? Il y a quoi à l'intérieur? Il y a un monsieur. Bonjour monsieur. Ils vendent des trucs. Qu'est-ce qu'ils vendent? Shadow coin contre ça. Comment est-ce qu'on a des shadow coins? Ça marche comment en fait? Bon bah désolé monsieur, je peux rien pour vous. Oh là-bas, il y a un village. Alors, il y a un village, mais il y a aussi une sorte de donjon là, de tour bizarre. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, le nombre de cochons qu'il y a! Oh! Mais attendez, mais je vais me faire un petit plaisir là.
Ah non, faut que je me retienne. Alors là, il y a un lac de lave, enfin de pétrole, pardon. Alors, il y a quoi dans cette tour? Bah déjà, elle monte, il y a peut-être un coffre. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la limite là-haut? Je ne sais pas. Non, 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 il n'y a absolument rien. Ah, j'ai pas de pseudo, je peux pas imaginer par contre. Bon, bah écoutez, je pense que cette exploration n'aura rien donné. Alors, pourquoi tu vas faire nuit? Est-ce qu'il y a, vous avez des maisons dans votre village? Je crois pas. Il n'y a pas de maison dans les villages? Mais c'est nul. Il y a des bibliothèques, mais il n'y a pas de maison. Bon, bah je pense que je vais rapidos rentrer chez moi parce que là, ça donne rien en fait. Ah, par contre, il y a des cyclopes. Mais ouais, voilà, il y a toujours plus de cyclopes. Alors, par contre, je vais crever. Bon, je pense qu'on va s'arrêter parce que ça fait déjà pas mal de temps d'épisode. Alors, par contre, évite de mourir. Voilà. Ouais, donc du coup, voilà, je pense que je vais tout simplement m'arrêter là en tuant quelques squelettes. Voilà. Non, crève. Allez, croust. Voilà, donc je pense que je vais tout simplement m'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps d'épisode. Et puis tout simplement après il sera trop long. Donc je vais rentrer la prochaine fois, je pense qu'on ira dans le famoso Nether. Le Nether, ça fait peur. Je pense que le Nether il a totalement changé du haut mode. A savoir que vraiment, là je connais pas le nouveau Nether. Genre là s'il y a des modifications, je ne les connais pas. Donc voilà, je pense que je vais aller dans les heures. Et hors caméra, je pense que je vais faire un peu d'exploration pour essayer de trouver un endroit sympathique pour s'installer. Et ce sera déjà pas mal. Du coup, sur ce, sur mon chat avec une posture incroyable, je vais vous dire au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez le petit pouce bleu. C'est Akogon. Ciao!